Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo sur ma chaîne et pas que moi en fait, hein, on est deux. Donc aujourd'hui je suis en compagnie de Gwen du blog et de la chaîne Heroisa Monster Book et tout ça pour vous parler d'un livre qu'on a lu en commun. Alors aujourd'hui on vient vous parler de Contre-coup de Nathan Filler qui est l'histoire de Matthew, un jeune homme qui avait 9 ans lorsque son frère est décédé. Et qu'on va suivre pendant toute son adolescence. Il va commencer à perdre pied et va s'enfoncer malheureusement dans la schizophrénie. Donc voilà, c'est vraiment un livre très touchant. Je ne sais pas ce que tu en as pensé Margot, mais c'est vrai que moi ça m'a énormément touchée. Alors moi j'ai été beaucoup touchée, le seul problème que personnellement j'ai eu c'est que je l'ai lu en VO, donc je l'ai lu en anglais, The Shock of the Fall de Nathan Filer. Et c'est vrai que c'est peut-être pas le livre le plus évident à lire directement en version anglaise. Voilà, j'ai pas forcément toujours tout à fait compris ce que voilà, Matthew voulait dire. Mais en effet, tout ce qui est très maladie mentale, etc., ça m'intéresse beaucoup. Et donc d'avoir un livre qui parle de ça, je trouvais que c'était super intéressant. Ouais, c'est vrai que moi, franchement, pour l'avoir lu en français, au début, j'avais vraiment du mal à me plonger dans l'histoire parce que dû justement à la schizophrénie, je trouvais que... c'était hyper dur de savoir quand c'était réel ou pas en fait, s'il était dans ses délires ou pas du tout. Et je trouvais que l'écriture était quand même un peu spéciale, je sais pas ce que tu en as pensé au début, mais c'est vrai que c'était un peu dur de se plonger dans l'histoire, surtout à mon avis en VO, tu dois pas tout comprendre en termes médicaux. Ouais, justement, c'est ça qui est un peu le plus choquant, on va dire, quand je l'ai commencé, c'est que du coup, je croyais tout ce que Matthew disait, tellement j'étais concentrée sur la signification des mots, que du coup, je me posais même pas la question de savoir si c'était vrai ou pas vrai. Pour moi, c'était réel. Et ouais, j'avoue, j'ai sauté 2-3 passages où je comprenais vraiment rien. J'ai dit, bon, c'est pas grave, je vais aller un bout plus loin. Laisse tomber. Ouais, exactement. Mais je pense que j'ai bien fait parce qu'au pire, ça m'a pas non plus handicapée pendant la lecture. C'est vrai que du coup, je suis pas forcément déçue de l'avoir lu en anglais, c'était super intéressant. Et en effet, je suis trop contente parce que la couverture en anglais est trop belle. Grâce à moi. En plus, ouais, c'est vrai que c'est toi qui me l'as offert en plus. Je suis folle. Mais c'est vrai que des fois, c'était pas évident. Après, je me dis, est-ce qu'en français, j'aurais peut-être mieux compris et du coup, j'aurais été peut-être encore plus touchée par l'histoire de Matthew, je sais pas vraiment. En fait, même en français, au début, c'est vraiment compliqué parce que, comme je te le disais, on sait pas trop si c'est réel ou pas, etc. C'est un peu pareil que toi en fait en anglais, c'est est-ce que c'est réel, est-ce qu'on doit le croire, est-ce qu'il est dans son délire ou pas ouais, du tout, ça. Etc. C'est vraiment très compliqué. Et puis en fait petit à petit on se rend compte que il va aller plus loin dans son histoire et là on va comprendre les moments où il est en délire ou pas. Ouais. Et on va avoir complètement l'impression d'être dans sa tête en fait. Moi des fois j'ai eu l'impression d'être moi-même schizophrène en fait. Complètement. Alors pour ça j'ai trouvé que la plume de l'auteur elle était juste waouh. Époustouflante parce que alors c'est rare que j'ai lu un livre d'une personne qui, en tout cas je pense pas que l'auteur ait passé à travers cette maladie, qui arrive... Non par contre il était médecin en hôpital psychiatrique. Bon alors ça aide en effet, mais je me suis dit de pouvoir te mettre autant à la place d'une personne qui vit ça... Waouh, c'était quand même assez impressionnant à lire quoi. Ouais, et c'est hyper impressionnant. En plus, c'est vrai qu'on a vraiment l'impression en fait que c'est un vrai témoignage. Ouais. Je sais pas, mais moi j'avais tout le temps l'impression que c'était vraiment quelqu'un de réel qui racontait sa vraie histoire, qui était vraiment hyper pris par ça en fait, qui vivait cette histoire, qui avait eu ses vrais problèmes, qui avait vraiment perdu... son frère, etc., qui s'était vraiment plongé dans la schizophrénie à cause de ça. Et j'ai trouvé en plus que l'auteur dépeignait vraiment hyper bien ça. En fait, j'avais vraiment l'impression d'être avec lui par tous les événements qu'il est passé. J'avais même l'impression d'être lui de temps en temps, d'entendre aussi les voix dans ma tête, etc. C'était hyper perturbant. Enfin, j'ai trouvé ça vraiment hyper, hyper perturbant. Vraiment très compliqué aussi parce que des fois je me demandais, une fois qu'on sait vraiment qu'il est schizophrène, je me demandais vraiment est-ce que là il est dans un délire ou pas parce que c'est trop bien quoi. Ouais, enfin... j'ai pensé exactement la même chose. Des fois tu commences une phrase puis je fais attends, est-ce qu'il le voit vraiment ou c'est pas du tout ça en fait. C'est hyper perturbant, voilà, complètement. Et puis je trouve que tous les personnages sont hyper recherchés, franchement.
Il y a personne qui a laissé un reste quoi. Sa mère et son père sont vraiment super bien dépeints, même s'ils sont un peu effacés de l'histoire. Mais je trouve qu'ils apportent vraiment quelque chose. La grand-mère, elle apporte vraiment quelque chose. Et tous les gens qu'ils rencontrent et tout. Enfin, il y a personne qui a laissé un reste en fait. Personne qui est mal dépeint, qui a des mauvais sentiments ou quoi que ce soit. Enfin, tout est hyper réel. Complètement. Et je sais pas si t'as eu la même impression, mais toi au début, t'as pas eu hyper peur de la maman? Ah si, moi elle m'a fait flipper quoi quand elle nous a fait croire qu'il était vraiment malade et tout. Oh mon dieu, j'étais là, mais syndrome de Munchausen quoi, je savais plus où me mettre, j'étais là, mais non, mais c'est horrible ce qu'elle fait à son fils en fait. Elle me faisait flipper. Mais grave, et puis en plus, tu sais pas pourquoi elle se comporte comme ça en fait. C'est ça? Alors tu te dis, est-ce que parce qu'elle a perdu un enfant, alors du coup elle veut surprotéger l'autre ou. Ouais, je sais pas, c'était hyper, hyper malsain quoi en fait. Oui, donc moi aussi j'ai trouvé que la mère était hyper malsaine au début. En fait, je comprenais pas pourquoi elle se comportait du tout comme ça. Ouais. J'étais complètement dans le flou en fait. Et je me suis dit, mais elle est super malsaine. Elle a perdu un gosse et donc elle surprotège l'autre. Et puis elle en devient folle elle-même. Ouais, en fait. C'est ça. D'abord, j'ai presque cru qu'en fait la schizophrénie allait plus être sur elle finalement. Parce oui, que voilà. Au départ, t'as vraiment l'impression que c'est elle qui va devenir complètement barge et qui va plus savoir où elle en est, quoi. Pas forcément lui, tu vois. Voilà, exactement. Et puis, même son fils, en fait, croit qu'elle est complètement dingue. Ouais, c'est ça. J'ai trouvé ça hallucinant, donc, quoi. Moi, j'ai vraiment... quand j'ai fini le livre, en fait, j'avais complètement l'impression d'être ailleurs. Ouais. Complètement perturbée et je pense vraiment qu'il va rester dans ma mémoire parce que c'est un livre qui a un super témoignage, qui nous emmène vraiment super loin et qui... En fait, on voit plus les gens qui ont des maladies mentales de la même façon. Ouais, je crois en fait, aussi. Après, ça faisait longtemps que j'en avais pas lu parce qu'à un temps j'étais super attachée à ce genre de bouquin-là et comme je dois lire aussi d'autres choses pour le boulot, etc., je m'étais plus vraiment tournée vers ce genre de bouquin-là. Mais de relire ce genre de choses, c'est... ouais, tu te rends compte à quel point c'est touchant et poignant à la fois que on n'est pas tous sains d'esprit, ouais, voilà quoi, où tu peux faire tout ce que tu veux dans ta vie, que en fait ces gens ils ont des vrais problèmes dans la société quoi en fait. C'est impressionnant quand tu le vois voilà, après, et puis tu te rends... quand il est tout seul dans son espèce de petit appartement tout miteux, tout bizarre, franchement ouais j'étais, ouais je sais pas, un peu choquée quoi. Et puis tu te rends compte aussi que peut-être que t'as une image qui est complètement... différente et effacée de la réalité ouais, en fait complètement, de ces gens-là parce qu'en fait la société elle te dépeint les gens qui ont une maladie mentale d'une certaine façon qui n'est pas toujours super sympa et super agréable et en fait tu te rends compte que c'est des gens comme nous qui n'ont pas spécialement de problèmes existentiels avant et qui un jour se réveillent avec, avec une ça, maladie quoi, puis... complètement étouffante, un serpent qui va leur bouffer le cerveau et qu'ils savent plus où ils habitent. Bah en fait, ça part de et rien. Et tu quoi. Te dis que ça peut arriver à tout le monde bah, en fait. Sûr. Je veux dire, là, il n'était pas du tout prédestiné à ça quoi. Enfin, dire, bah, ça peut non, arriver à tout tout le monde de perdre un membre de sa famille et du coup de. Bah voilà, comment tu vas le gérer, on ne sait pas, tu vois. Donc c'est toujours bah, compliqué. Ouais, voilà. Pour la deuxième partie de notre avis sur Contre-coup de Nathan Filer, rendez-vous sur la chaîne de Gwen. Donc je vous mettrai le lien en barre d'infos. Pour que vous puissiez aller cliquer directement dessus, vous aurez donc la finalité de ce qu'on a pensé de ce merveilleux livre.